Ouais, c'est le président Macron. Bordel, il est où? Putain, je vais le trouver, ce salaud. Il est où? Bordel. Je vais le chercher, je vais le trouver. Alors là, c'est le président Macron qui se fait expliquer comment se pilote un sous-marin nucléaire. Il a appris très vite, il paraît. Hein. Il paraît qu'il était capable. En 2 heures, il avait tout compris. Voilà. Donc ça, c'était au tout début. Hein. C'était comment dirais-je? Son premier rodéo en armes de guerre, puisqu'ensuite il a fait l'avion. Et puis moi, j'ai une affection toute particulière pour cette photo-là, voilà. Qui est quand même bordel de merde. Regardez-le. Oh, c'est Macron! Rends-toi, Joe Biden, rends-toi. Je suis dans le terrible. Il est dans le sous-marin, le terrible. Voilà. Il y avait une photo où il a été élitreillé. Ils ont balancé le président sur le terrible. Voilà, le sous-marin, le lanceur d'engin, le terrible. Voilà. Et le terrible était sur le terrible. Voilà. Je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Ces photos sont. C'était le temps de l'insouciance. C'était avant qu'il rate un contrat à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Voilà, avec ses sous-marins. Voilà. C'était quand même la bonne époque. La bonne époque de la Macronie. Bonjour à tous. Ah non, les photos n'ont pas suffi pour vendre. Il avait tout misé sur ça. Hein. Il avait tout misé en disant les sous-marins au mazout qu'on va vous vendre, ils sont validés par le gamin. Voilà. Et on pensait avoir un expert de la vente, un pro des Fusac, un kit de la vente. Et on s'est retrouvé avec le concierge du bureau des étudiants, quoi, d'école de commerce. Donc c'est pas terrible. Hein. Voilà. Oui, effectivement. T'imagines ça? Une élastique à chibre. Un sous-marin nucléaire, non, sous-marin au mazout, c'était au mazout ou je sais pas quoi. Salut à tous, bonjour d'être là. Oui, ça c'est pathétique. Voilà. C'est vrai que ça vous plaît, élastique à chibre. Hein. Ça c'est un truc, je comprends. Élastique à chibre, c'est agréable à dire et à dire et à entendre et à porter aussi du reste pour ceux qui connaissent. Alors, on va faire une petite revue de presse. Voilà, on va essayer d'être plus régulier. Élastique à le Chypre. Le Chypre, il est génial, le Chypre. Le Chypre, c'est. Vous allez voir, on va beaucoup parler de la République en marche. Alors, déjà, je voulais mettre un disclaimer, mais on ne les a pas tous. Alexis et moi, on est un petit peu une sorte de réalité alternée de nos revues de presse. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes fonds. On est en train d'unifier tout ça. On a une grande réunion ce week-end qui est prévue pour que ça puisse se passer de la même façon. Bonjour. Pour la première fois sur le chat d'un spectateur Pucluc. Je sais pas comment on dit, je sais pas lire les trucs. Voilà. Donc, je disais qu'on est en train d'unifier nos techniques avec Alexis, nos techniques de stream. Donc, ça va ressembler à peu près à la même chose, sauf que c'est pas l'intervenant principal qui est là. On va en acheter des micros. Donc, on aura un son qui sera propre. Et puis, hier, on a passé 2 heures avec Alexis pour caler un modem 4G pour que, où qu'il soit, il ait une bonne qualité de stream, parce qu'on a vu que c'était quand même un peu le défaut. Et puis on va essayer de d'harmoniser tout ça. Salut Kika, merci pour le check. Merci pour ton appel hier. C'était cool de t'avoir au téléphone rapidement. Drôle de truc, cette revue de presse. De discuter avec vous. Voilà, je vous lis un peu à chaque fois. Ça fait un peu ringard sûrement, mais c'est sincère. Un disclaimer important qu'on n'a pas pu afficher. Dans cette revue de presse, il n'y aura ni Covid ni Éric Zemmour. Donc ça va être très court. Voilà, on est presque arrivé à la fin de la revue de presse. Je ne vais pas vous parler du débat d'hier. Je n'ai vu la moitié à la fin. J'étais fatigué en plus, je rentrais tard. Voilà, Alexis a fait un petit débriefing sur Space, sur Twitter, pour ceux qui ont vu ça, c'était rigolo comme truc. C'était plutôt marrant, et donc on va pas en parler. Pour ceux qui l'ont vu, on s'en fait leur idée déjà. Vous vous doutez de la mienne, pas très intéressant. Et le Covid, ça fait 2 ans qu'on en parle. Pff, voilà, pas de vaccin, pas de match. Hein. Ça va être formidable, vous allez voir, ça va vraiment être bien. Voilà, je vais donc prendre ma petite tablette. Je vais broadcaster. Et puis bientôt, oui, il y aura tout sur le même écran, hein, un grand écran. Enfin, on est vraiment en train de nous professionnaliser. Au bout d'un an, il serait temps, vous allez me dire. Mais ça va être bien. Je ne serai pas tout le temps penché sur ma tablette. Vous ne verrez pas mon crâne lisse. Mais vous verrez plutôt mon visage ébloui devant toutes ces belles informations qui font quand même chaud au cœur. Donc nous sommes le vendredi 24 septembre 2021. C'est la revue de presse du Monde moderne.
Ah oui, bientôt aussi, il y aura chez Alexis et chez moi des indicateurs chaque fois que quelqu'un s'abonne, que chaque fois que quelqu'un nous suit. On est presque à 4000 followers, voilà, c'est pas rien. Alors c'est 4000 personnes qui suivent le truc. Et puis, comme Kika le répète inlassablement, il y a un Patreon, le monde moderne. Donc, si vous voulez nous aider, si vous voulez nous filer un peu de blé pour qu'on puisse s'acheter nous aussi un sous-marin nucléaire d'occasion, il va y avoir des prix. Hein. Je ne vous le cache pas qu'il va y avoir des belles opportunités d'achat de sous-marins. Il faut nous. Merci, Nikos Angelsei, pour ma chauvitude. Donc, on va acheter un sous-marin nucléaire. Et pour être riche, il faut que vous nous aidiez, bien entendu. Donc, soit vous pouvez vous abonner en faisant un sub. Et ça permet d'avoir un récurrent ici sur Twitch. Alors, Jeff Bezos prend 30%. Comme ça, il vous a remercié aussi, il peut partir dans l'espace. Donc, c'est un petit pas pour nous, mais c'est quand même un grand pas pour Jeff Bezos qui peut partir dans l'espace. Pour ceux qui veulent directement, il y a Patreon qui permet, il y a plusieurs trucs d'abonnement, et puis on a fait des goodies, si ça vous amuse d'avoir un hoodie le monde moderne ou des mugs le monde moderne. Donc ça y est, il y a des personnes qui ont été abonnées 3 mois, il y a le mug du monde moderne qui est parti, apparemment, nous a dit, chez certains. Et Jeff est chauve aussi, c'est ça. Et secrètement, je vais aller aussi faire un tour dans l'espace. Et on a un dernier truc, c'est que le monde moderne, c'est pas Alexis et moi, c'est une société, c'est une entreprise. On va bientôt se débrouiller pour avoir des exonérations d'impôts pour les gens qui vont venir nous aider un petit peu. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, c'est possible aussi d'envoyer un chèque et vous avez une page sur le site du monde moderne qui s'appelle Aidez-nous, Mendiant de l'amour, je ne sais plus comment on l'appelait. Vous avez tous ces éléments. Voilà pour le moment, Mendiant de l'amour, le moment clodo. Ma tablette s'est mise en panne, enfin, s'est mise en panne, s'est mise en veille, bien entendu. Voilà. Tac, je broadcast son contenu. On va lancer la diffusion. Et on va commencer ce matin, qui est déjà bien entamé, puisqu'il est quand même 9h10 déjà, avec toutes ces blablabla, par le magazine Challenge, puisque Alexis m'a laissé quand même beaucoup de reste de la. De la. De la. De Les hebdomadaires qui sortent le jeudi, il n'a pas fait beaucoup hier, donc j'ai récupéré Challenge. Alors, ce que j'ai mis dans Challenge, c'est des petits confidentiels, ils appellent ça, oui, c'est des petites choses, des petits entrefilets. On apprend des petits trucs rigolos. Alors, le ministère de l'Intérieur, c'est marqué ici, offre 3 700 postes au concours de gardien de la paix au titre de l'année 2021 contre 3 631 en 2020. Vous avez vu? Donc, ils veulent doubler en 10 ans. Doucement, on commence doucement. Vous savez, c'est comme avant d'aller dans l'eau, on se met un peu comme ça sur la nuque, surtout si on a picolé un peu à l'apéro. Voilà, donc c'est une petite rigolo, une petite information rigolote. Ensuite, on a Austin Powder. Alors, je pensais que c'était une blague au début. Voilà, Austin Powder, pardon, c'est une entreprise américaine de poudre d'explosifs. Voilà, tout ce qui est bombes, munitions, et puis pour le génie civil aussi, pour faire sauter des trucs, qui est bien placé pour acheter le français. Titan Nobel, explosif industriel aussi, voilà, pour faire plus d'armes. Donc, on est en train de petit à petit de se faire acheter, vous savez, les questions de souveraineté, de sous-marins, tout ça. On est en train de se faire acheter doucement par les Américains. On apprend aussi dans les comment ils appellent ça, les confidentiels de Challenge, qu'une trentaine de députés LREM ont décidé de ne pas se représenter. Soit parce qu'ils ont dû faire du blé ailleurs, soit parce que ils se rendent compte qu'il faut pas changer de parti, je sais pas. Voilà, c'est une information brute qui est donnée comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme truc rigolo? Ah oui, alors ça c'est super bien. Alors sachez que vous l'attendez tous pour avancer dans votre cheminement au niveau des élections. Jacques Attali finalise un programme de transpartisan, pardon, de 250 propositions à l'attention des candidats à la présidentielle. Fruit du travail de 400 personnalités et experts qui sera publié courant octobre, il sera défendu notamment la construction de nouveaux EPR. Voilà. Jacques Attali, c'est Jacques Attali, hein, il ne peut pas s'en empêcher. Lui, son truc, c'est les propositions transpartisanes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, il fait ça depuis toujours. Des fois, il est payé pour, il est sûrement payé pour, il n'a quand même pas travaillé gratuitement, Jacques Attali. Ça serait dommage, tous ces beaux conseils. Donc voilà, on l'attend, donc ça devrait arriver bientôt. Hein. Ils finalisent le programme, ils sont en train de faire la mise en page et puis de corriger les dernières fautes d'orthographe. Et puis, truc rigolo, une bonne nouvelle. Donc il faut savoir que les échos, que Challenge appartient depuis peu. Ah, Monsieur Bernard Arnault, et Jean Arnault fait ses débuts chez LVMH. Voilà, donc il a 23 ans, Imperial College, MIT, le dernier fils de Bernard, donc, qui est actionnaire de Challenge, fait ses débuts dans le groupe à Genève, au sein de l'activité horlogère de Louis Vuitton. Vous voyez, ce type-là, il aurait pu choisir d'être dealer de drogue, il aurait pu être proxénète, il aurait pu être prostitué, il a préféré travailler dans l'activité horlogère. Il faut faire des choix dans la vie, voilà, c'est ce que moi je dis aux enfants, faites des choix, faites comme vous voulez, mais à un moment donné, il faudra assumer ses choix, quels qu'ils soient. Ok?
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les petits confidentiels toujours rigolos? Ah, ça c'est marrant, ça. Ça c'est assez terrible. Emmanuel Macron veut faire de la carte d'identité numérique un sujet de campagne. Hein, c'est la carte d'identité sur le téléphone, vous aurez une application. Dans tous anti-Covid, vous allez avoir la petite pièce. Bah oui, vous avez déjà le pass. Mettez la petite identité, mettez le truc, mettez le permis de voter, mettez tout ça. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on me dit sur le truc? Le son est nickel. On a poussé les potards un peu plus loin que d'habitude. Et puis bientôt on va avoir des mêmes micros surtout. Voilà. Bien sûr, l'ID 220 pour sa campagne, c'est évident. Voilà, c'est la pièce d'identité, la carte d'identité numérique. Tout sera sur le téléphone, c'est plus cool. Dans le Scanus, vous avez le Scanus qui est rentré, hein, qui est inséré partout. Le Scanus est Wi-Fi, vous le rechargez le soir. Et puis vous pouvez, c'est mieux comme ça. Ça vote pour vous automatiquement. C'est sur une blockchain avec un algorithme d'intelligence artificielle. Ça va être super. Vous allez voir. Donc c'est intéressant. Alors je sais pas comment c'est sourcé ces conneries-là, mais c'est intéressant à regarder. Bon, il y a plein de choses, hein, dans ce truc-là. Ah, ça c'est très drôle aussi. Les lectures mises en avant sur le bureau de Bruno Le Maire à Bercy. En fait, quand vous arrivez à Bercy, vous arrivez, il y a le bureau de Bruno Le Rebond. Il a mis des petits bouquins comme ça pour montrer quand même que. Là, comme ça, ce côté-là, vous ne voyez pas dans sa tronche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a mis? Winston Churchill, bien entendu. Jean-Louis Debré, oui, pourquoi pas. Louis Ferdinand Céline et Michel Houellebecq. Attention, on a affaire quand même à un intellectuel de haute volée, Bruno Le Maire. C'est pas la moitié d'un con. Il n'y a pas oui, décroche la lune. Il n'y a pas Martine à la plage. Non, il y a des trucs. Tout ça, c'est calculé. Hein. Tout ça, il y a des conseillers en communication qui ont mis ces bouquins-là sur son truc. Donc c'est rigolo d'en parler. Bon, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses dans ces trucs-là. Alors oui, alors ça, c'est triste. Vous savez que j'ai une infection morbide pour Arnaud Lagardère. Voilà. Le tout nouveau conseil d'administration de Lagardère se réunit vendredi au siège du groupe, rue de Presbourg, au pied de l'Arc de Triomphe. Son PDG, plus pour très longtemps, Arnaud Lagardère, avait l'intention d'y présenter sa stratégie pour les diverses branches. Mais la plupart des membres s'en branlent complètement parce que c'est fini. Voilà. Bolloré a racheté 17% via Vivendi de ce qui est resté. Départ de Amber Capital, qui était un fonds anglais, qui sont débarrassés du truc. Donc Bolloré va arriver. Donc lui fait son conseil d'administration tout seul avec des mecs qui, pour ceux qui sont là, c'est vraiment les mecs qui n'ont pas le choix, j'imagine. Et puis il va bientôt partir. Tout va être récupéré par Vincent Bolloré, sauf peut-être, on nous le dit ici, Paris Match. Et le journal du dimanche, qui serait probablement récupéré par Bernard Arnault. Voilà. Donc c'est un peu la fin d'une époque pour Arnaud Lagardère, mais je pense qu'il se débarrasse d'un truc en fait. Voilà. Je pense que c'était trop dur pour lui ce merdier, trop compliqué. Voilà, donc on va avoir encore plus de pluralité. Bolloré, Bernard Arnault. Voilà. Parfait. On peut pas le cryogéniser, l'économie pour les nuls. Ouais, le pauvre Arnaud. Bon. Et puis mauvaise semaine pour Stéphane Le Foll. Alors ça y est, les bonnes semaines et les mauvaises semaines, c'est les gentils pas gentils, les bien pas bien. Alors pour Stéphane Le Foll, non. Il a un truc en fait, il veut se présenter donc à l'investiture. Donc on ne sait pas encore comment il va y avoir, ça va être réglé cette histoire. Mais il n'a pas obtenu le droit de débattre avec Hidalgo. Voilà. On lui a dit qu'en fait, il fallait qu'il fasse un temps d'échange. Avec chaque militant entre eux. Voilà. Donc il dit en fait, s'il n'y a pas de débat au sein du PS, il dit c'est la mort du parti. Ça, on doit débattre, on a plein de courants internes, on est comme ça et tout. Puis c'est vrai que c'est à l'envers, il est comme ça, Stéphane Le Foll. Il est crispé, Stéphane Le Foll, il a plein de trucs à dire. J'aime bien le temps d'échange. Vous savez, quand vous avez des gamins en maternelle, en les premières années, on va faire un temps calme, les enfants. Vous allez tous vous calmer, ça va être gueuler comme des machins. On va faire un temps calme. Et là, Stéphane Le Foll, on dit, écoute, Stéphane, Steph, fais un temps d'échange. Voilà. Comme ça, entre chaque candidat, vous mettez d'accord. Donc voilà, il a les boules parce qu'il aimerait bien en faire partie du truc, quoi. Mais c'est même pas un has-been parce qu'il a jamais été. C'est un nobody total. Voilà, Stéphane Le Foll, pauvre Stéphane Le Foll. C'est pas marrant, c'est dur comme métier. Hein. J'aimerais pas le faire. Hein. Déjà, c'est dur de faire ce que je fais, croyez-moi. Mais alors, quémander d'aller dialoguer avec Hidalgo et lui dire non, mais laisse tomber Stéphane, fous-moi la paix. Ça doit pas être marrant. Qu'est-ce qu'on attend encore? Mais encore, voilà, on en parle toujours parce qu'on est quand même dans la feuille de chou de LVMH. Donc Macron choisit encore Arnaud. Et oui, ils sont copains quand même. Comme ils sont contents là. Voilà, ils sont contents. Voilà, le président a fait le déplacement le 25 septembre pour inaugurer l'exposition de la collection Morozov à la Fondation Vuitton. Voilà.
C'est la seconde fois en 3 mois qu'Emmanuel Macron sort un événement LVMH. Il est sponsorisé. C'est normal. C'est logique. Donc il vient, il est allé faire l'inauguration de la Samaritaine, ce grand magasin. Et maintenant, voilà, il va pas chez Pinot. L'autre, il est moins riche. Il dit non, ça m'intéresse pas, moi. Je veux aller avec le plus riche, celui qui casque le plus. Ça m'intéresse pas d'aller voir Pinot. Alors quand même, Brigitte était allée, parce que Brigitte, elle aime bien quand même un peu François Pinot. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Ça s'appelle avoir un bon copain. Avoir un bon copain président. C'est cool. C'est marrant. Il y a ça. Donc c'est vraiment les restes de l'actualité qu'on fait en début de revue de presse. Il n'y a pas grand-chose à raconter. On va aller dans le dur de ma revue de presse, dans le truc qui m'a le plus fait rire. Et je lis très mal, donc ça va être très pénible pour vous. Accrochez-vous. Le gros problème aujourd'hui de La République En Marche, on le sait, hein, c'est comment est-ce qu'on peut transformer en parti quand même maudit de vie politique en un truc, la maison commune. Comment transformer LREM en un truc encore plus gros, un blob qui va grossir? Et comment est-ce qu'on fait pour gérer tous les gens qui ont des intérêts divergents? Parce que c'est plutôt un groupement d'intérêts économiques, hein, c'est un GEI, moi j'ai toujours dit ce genre de truc-là. Et c'est comment on fait, vous voyez, pour. Allez, ils sont bons, là. Ils sont pas bons, eux. Puis là, le truc est génial. Stanislas Guérini, délégué général à LREM, et François Bayrou, patron du MoDem, il est patron du MoDem, lui. Il est pas. Hein, veulent rapprocher leur parti, c'est mignon, dans l'optique de l'élection présidentielle. Je trouve ce titre bon, très drôle, c'est fait exprès, bien entendu, mais je les imagine tous les deux, hop, ils vont rapprocher un peu leur parti pour. Dans l'élection présidentielle. Bayrou qui racontait que. Non, c'était pas Bayrou, c'était un mec du MoDem qui disait que le MoDem était juste une capacité de nuisance. Voilà, et qu'à l'aube, à la mesure de la capacité de nuisance, ils allaient pouvoir récupérer ou pas des billes. Voilà. Ces mecs-là sont quand même. C'est eux, hein, les patrons aujourd'hui. C'est eux qui transforment la France. Hein. Eux, leur plan, c'est il faut transformer la France. Voilà. Donc ça, c'est fantastique. Alors bon, l'article est absolument extraordinaire, donc je vais un peu le lire avec vous. Donc c'est la maison commune. Voilà, alors il dit. Attendez. Il faut que je trouve. Parce que tout le truc est fantastique. Voilà. C'est une description à la Magritte. Ceci n'est pas un parti unique. On va faire une saucisse qui n'est pas une saucisse. C'est un peu surréaliste, mais un cadre de la majorité, un homme, François Bayrou, c'est ce qu'il veut, un grand parti démocrate, et le plus vite possible. Il enverra des signaux importants ce week-end lors de l'université du MoDem à Guidel, qui est dans le Morbihan. Voilà, je sais pas où c'est Guidel. On n'avait jamais, ou jamais, pardon, autant de figures de la majorité n'ont été conviées. Jean Castex, putain, Jean Castex, Richard Ferrand, Stanislas Guérini sont invités au truc du MoDem. Donc il va se passer un truc. Dimanche, un déjeuner réunira le Premier ministre et les responsables du MoDem, François Bayrou, Marc Fesneau, Patrick, bon, j'en fous, pour mieux acter le lancement du chantier. Donc c'est un chantier, les types. Voilà. Le lendemain, ça va aller très vite, attention, hein, il se passe des trucs, on n'en a pas idée. Le lendemain, La République En Marche tiendra un bureau exécutif pour peaufiner sa réponse, la réponse au truc du MoDem dans le Morbihan. Elle sera adressée au MoDem le week-end suivant, lors du campus des Marcheurs à Avignon. Ils ont une semaine pour faire une réponse. Voilà. S'il n'y a pas d'acte formel entre Guidel et Avignon, il ne se passera rien du tout, prévient un cadre du Parti centriste. Tranquille. Voilà. Avant de connaître les plans de la future maison commune, ils viennent de commencer le chantier, mais ils ont pas les plans. Donc, ça va être foireux. Le calendrier constitue le premier écueil. François Bayrou prévoit naissance à l'automne ou jamais. Voilà, plus simple. Tout doit être réglé à Noël, sinon les divisions et les volontés de domination reprendront le dessus. François Bayrou a tout intérêt à accélérer parce qu'il est fort maintenant. Voilà. Dans quelques mois, il aura une influence beaucoup moins forte qu'en 2017. Il sera doublé par d'autres stars, Dominique, Édouard Philippe, par exemple, analyse un député macroniste. Donc sa capacité de nuisance, on est au climax de la capacité de nuisance d'Édouard Philippe. Donc là, il faut qu'il. C'est avant Noël ou jamais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment rigolo. Alors, plusieurs macronistes, attention, hein, eux, ils ont compris le truc, plaident pour lancer cette formation dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle à la façon de l'UMP qui a été annoncée 48 heures après le premier tour, le 23 avril 2002. Le plus utile politiquement, c'est assurément. Ce n'est assurément pas maintenant. Il faudra un acte très puissant, issu du premier tour, plaide un membre du bureau exécutif de l'REM. Par exemple, Macron qui est pas au second tour. C'est formidable de lancer un truc à ce moment-là. Moi, je me souviens du lancement du DM. Il s'était planté, il voulait mettre MoDem. Et en fait, il avait mis DM comme Dépêche Mode. C'était sur France 3 à l'époque. Il avait sorti ses petits papiers, et puis il s'était planté, un peu comme moi quand je me trompe de main, quand je fais un peu le mime. Il s'était planté complètement, François Bayrou. C'était très drôle. Et je crois qu'il était devant un journaliste qui a fini au MoDem aussi. Voilà. Alors, attention, donc ils veulent faire une maison commune,
Mais l'identité même de cette structure est un mystère. François Bayrou voudrait en faire une force politique pour les 30, voire 50 années qui viennent. Les mecs, ils... comme un Reich, vous voyez le truc. 1000 ans, ça va durer 1000 ans. Ce n'est pas un parti pour une élection, mais c'est un parti pour une génération, dit-il, avec une idée de coopérative agricole. Vous vendez votre exploitation, mais vous apportez la totalité de votre récolte et vous partagez les bénéfices. Sans parler de la question de la dépendance administrative et financière des uns et des autres. Ouais, parce qu'ils veulent tous avoir leur comptable, récupérer du fric et le dépenser comme ils veulent. Parce que ça, c'est ça ce qui est chiant, en fait. Quand on fait un truc commun, c'est qu'on partage le fric, et après on regarde, ah, t'as fait ça, t'as dépensé ça. Ils veulent quand même être un peu, vous voyez, une maison commune, mais un peu séparée quand même. Voilà. Donc je me lasse pas de cette photo. Hein, de... Voilà. Et puis, voilà. Alors pour faire un projet comme ça, parce qu'ils lancent le chantier, mais ils n'ont pas les plans, et quand vous allez voir la tronche des architectes, vous allez vous dire, ils n'ont pas le cul sorti des ronces. Bayrou et Ferrand, architectes de Macron pour 2022. C'est eux qui vont. Alors en immobilier, il n'est pas mauvais, Ferrand. Hein. Il est plutôt en investissement qu'en fabrication. Je ne crois pas qu'il ait été promoteur, mais pour les placements immobiliers, il n'est pas mauvais. Ils sont les deux seuls à avoir cette proximité avec Emmanuel Macron, à pouvoir lui parler librement, quitte à dire leur opposition à telle mesure. Et là, pourtant, Macron, ce n'est pas ma tasse de thé, vous le savez. Et je l'admire, parce que ce fadet, je vais être poli, ce fadet, Richard Ferrand, et j'en perds mon latin, et François Bayrou, allô, Emmanuel, je pense à un truc, dit, il ne doit pas répondre tout le temps au téléphone, parce que ça doit être infernal, j'imagine, il doit quand même de temps en temps, allez, je vais prendre mon téléphone, j'appelle les deux caves, et puis il passe trois quarts d'heure avec eux, pendant qu'ils bouffent un truc et tout, l'autre, il raconte n'importe quoi. Il y avait pendant les. Pour un remaniement ministériel, il y avait la liste de Ferrand qui avait filtré dans la presse. Et c'était délicieux de naïveté, en fait. C'était vraiment charmant. Alors, attention, hein, Bayrou et Ferrand, c'est deux bad boys, quand même, on oublie bien. François Bayrou et moi-même esquissons l'architecture du futur mouvement unifié en veillant à créer une force solide, porteuse du rassemblement et du dépassement, décrit le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Ils sont à ce week-end pour la première fois, donc on l'a su, à l'université d'été du Modem. Voilà. Alors ensuite, avec Richard Ferrand, nous sommes tellement différents que nous ne sommes pas rivaux, dit François Bayrou. Remarque, c'est tranquille. Voilà, ils ont fait se foutre sur la gueule, il paraît. Donc ce sont des bêtes politiques. Oui, okay. Voilà, intégrer cet été le bureau exécutif de La République En Marche, la réélection d'Emmanuel Macron est leur moteur, résume un proche de François Bayrou. Les voilà donc à travailler main dans la main avec la vaste ambition de construire les piliers d'une majorité solide en 2022 et de gérer les différentes sensibilités pour faire de la place à tout le monde. Voilà. Donc j'ai trouvé cet article délicieux. On va en reparler de la maison commune dans le Figaro bientôt. C'est une courte revue de presse, hein. J'ai fait vite ce matin. Et voilà, voilà pour la maison commune. Voilà. Et encore plus d'emmerdes. Oui, parce qu'attention, leur inicule ne tue pas. Oui. C'est vrai, Cléo, tu as raison. Ruby Cléo. Sinon, il y a un truc intéressant. Non, ça va être grosso modo. Et je vous ai dit, hein, pas de Covid, pas de Zemmour, donc aujourd'hui. Society, que j'ai pas lu, mais qui est un article que je vais lire attentivement, et je vous ferai un petit résumé la semaine prochaine, jeudi prochain, quand je ferai la revue de presse, on n'a pas encore vu ça avec Alexis, sur les primaires, comment elle broie les candidats. Voilà. J'ai commencé, mais il faut que je mette mes notes au clair. On va finir par le Figaro, avec plein de trucs amusants dans le Figaro, amusants ou pas. Donc voilà, on revient sur l'offensive d'Édouard Philippe. Bouscule quoi? Ben, j'ai pas fait ma copie. Bouscule quoi? Bouscule la République en marche. Voilà. Donc l'ancien Premier ministre doit lancer son propre parti du centre le 9 octobre. Cette initiative politique réjouit des XLR et l'intrigue certains macronistes. Donc lui, il veut faire son... il veut pas être dans la maison commune, lui. Il veut pas être aspiré par ce blob plus gros. Il veut faire son truc à lui, avec des mecs de droite. Hein. Voilà. Et il y a Franck Riester. Donc Franck Riester, lui, il est... Alors, j'ai fait un petit plan, parce que c'est compliqué, leur truc. Hein. Je vous cache pas que c'est pas simple. Vous avez au milieu, vous avez le projet de maison commune, hein, en marche. Donc, dispositif fondateur, c'est Stanislas Guérini. Vous voyez, là, il y a 269 députés. Donc, voilà. Donc, là, on a le plan. Puis, autour d'eux, on a, à la gauche de ce truc-là, on a Jean-Yves Le Drian. Bon, lui, c'est Territoires et Progrès. On a le Modem, hein, qui, lui, a quand même 57 députés. Donc, c'est un peu une Game of Thrones de minables. Et puis, dans la famille socialo-écolo, on a Barbara Pompili. C'est en commun. Donc, Territoires et Progrès, Modem et en commun, c'est la partie gauche de ce projet de maison commune. Et puis, de l'autre côté, à droite, on a la République des maires et la France audacieuse de Christophe Béchu, que je découvre, je n'avais jamais vu en vrai.
en photo en tout cas, et d'autre côté, si on regardait bien, la France audacieuse de, il est génial, du motodidacte. Voilà. Zut, j'ai raté mon truc. Du motodidacte qui est là, lui il est super, lui c'est Christian Estrosi, il est super fort en moto. Voilà. Et puis au-dessous, on a le club constructif, c'est pour les mecs constructifs, vous voyez. Donc lui il est super constructif, lui vend des bagnoles, lui, son truc c'est vendre des Citroën. Voilà, ils ont 22 députés, une force de... il est bien moins fort que, il est bien moins fort que Bayrou. Et puis de ce côté-là, on a la nouvelle écurie de droite, salaud quand même, qui est pilotée par Édouard Philippe. Voilà. Il n'y a personne à sauver, hein. Je suis de votre avis. Non, voilà, donc c'est le truc qui se prépare. Voilà. Et donc il y a une interview vraiment, il est méchant, comment il s'appelle? Franck Riester, parce qu'en plus, j'ai pas tout pris. On lui pose plusieurs questions, on lui dit, vous réjouissez-vous des difficultés de votre ex-parti? Parce que lui, avant, c'était un LR. Voilà. LR est un canard sans tête. Ce parti n'a toujours pas investi de candidat à la présidentielle, ni tranché la façon dont il sera choisi. Il est d'ailleurs fort probable que ce candidat ne soit même pas membre de LR. Eh oui. Si Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand ont désigné, eh oui, parce qu'ils ont pas, ils sont pas, vous savez, ils sont un peu sortis du truc. Voilà. Heureusement, la droite ne se résume pas à LR. Eh oui, voilà, il y en a plein d'autres. Hein. Celui dont on ne parle pas, voilà. Nous ne sommes plus que jamais fiers d'avoir fait le choix de l'intérêt du pays en soutenant l'action d'Emmanuel Macron. Eh oui, tout ça, c'est pour l'intérêt du pays, bien entendu. Eh oui, un peu quand même, voilà. Alors, quelle idée la droite macroniste doit-elle avancer lors de la présidentielle? Autorité, sécurité, éducation et Europe doivent être au cœur de notre projet. Nous devons continuer l'effort de la transformation du pays et de restauration de l'autorité. Deux fois plus de flics, transformer le pays, on sait toujours pas en quoi, en passe sanitaire, voilà. Et en matière d'économie, nous devons pérenniser notre effort de compétitivité. Voilà, il y a du boulot quand même, parce qu'on n'est pas très bon, on a perdu. Les Rafales aussi, on a perdu les Suisses. On a réussi à se faire enfler par le F-35 américain. Alors, nos Rafales sont un peu vieux, c'est des vieux avions maintenant, mais quand même, c'est les Rafales français, c'est pas de la merde. Des F-35 qui marchent pas, c'est comme des appareils Apple, vous savez, il faut les mettre à jour. Si vous les mettez pas à jour, ils décollent pas. Voilà. Ils peuvent être effacés à distance, ils peuvent pas décoller. Si les Américains veulent pas qu'ils décollent, imaginez la Suisse attaque les États-Unis en F-35, clac, ils éteignent et les avions ils tombent. On a réussi à perdre ce marché-là aussi. Hein. C'est pas bon, il y a un gros effort à poursuivre. Hein. La baisse des impôts de production, bien entendu, en travaillant plus longtemps, bah oui, bien entendu, il faut travailler plus, mon tas de cons, quand même. Nous devons poursuivre la modernisation de notre gouvernement républicain et démocratique pour mieux servir les citoyens. Voilà. Vous marrez bien sur le truc. J'aime bien aussi, quand je fais un tour, quand Alexis fait la revue de presse, je peux dire des bêtises avec vous. Voilà. Et Riester, c'est un vieux de la vieille. Voilà. Il a depuis 30 ans, il est connu comme le loup blanc. Voilà. C'est lui qui avait porté, mais j'ai toujours dit, ce mec m'a toujours fasciné. Il était nul quand il présentait la Hadopi, qui va être fondue maintenant dans une sorte de super, comment on appelle ça? Une CNIL, je crois que si on fait une nouvelle CNIL 2.0 dans laquelle l'Hadopi va être aspirée, il avait porté la lutte contre le téléchargement illégal, en fait. Ça avait été lui qui avait été en première ligne pour ce projet-là. Donc voilà, donc si vous me demandez, vous m'envoyez un message à Antoine Attle Monde Moderne, je vous envoie le plan hein, que j'ai copié sur le Figaro pour vous expliquer le key base key de la République en marche, de la maison commune. Autre chose, voilà, donc pour lutter contre la récidive, le ministère de la Justice expérimente sur les auteurs un casque de réalité virtuelle dans le cas de violence conjugale. Voilà. Des scènes de violence conjugale en 3D projetées aux auteurs pour lutter contre la récidive des sévices intrafamiliaux. Alors c'est terrible, hein, la violence familiale, ça fait des ravages, notamment chez les gamins, c'est horrible de voir ses parents qui se foutent sur la gueule. Enfin, plus souvent, c'est le papa qui fout sur la gueule de la maman, en général, c'est ce qui se passe. L'initiative est inspirée d'une expérimentation espagnole, toujours en cours dans la ville de Tarragone. Donc il y a une expérimentation qui n'est pas finie, on peut peut-être attendre de voir si jamais ça sert à quelque chose ou pas, mais on apprend que le dispositif a été développé par une start-up lyonnaise spécialisée dans les programmes de formation via l'utilisation de la réalité virtuelle. Voilà, donc il y aura des casques en 3D et les mecs vont pouvoir voir en fait ce qui se passe. En caméra subjective, le spectateur se retrouve ainsi à la place de l'auteur des faits, de la victime principale et de celle collatérale de l'enfant. Voilà. Le sang ne jaillit pas, les coups sont en partie masqués et malgré la vision à 360 degrés, la production révèle davantage du théâtre filmé, très très loin du lavage de cerveau ou d'Orange Mécanique ou du huis clos de Shining. C'est volontaire, explique le concepteur, on pourrait faire un truc de lavage de cerveau, mais on ne fait pas. Il y a chaque année en France 300 000 délits de violence conjugale. La justice suit 80 000 auteurs. Je sais pas si ça. Je me méfie. Alors, ça coûte combien ce truc? Ils disent le prix quand même. Le tout pour un coût de 117 000 euros, hors achat de casque en 3D.
Alors, un petit conseil pognon, acheter des cases cantonnées, il faut les vendre parce que s'ils suivent 80 000 auteurs de violences conjugales, il va falloir se doter en casque de réalité virtuelle. Voilà. Je sais pas si c'est efficace ce truc-là. J'ai du mal. Voilà. 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 Petite information, il y a le procès du vendredi 13 novembre qui continue. Voilà, donc je vous le passe, hein, l'horreur des légistes qui doivent analyser les corps pour savoir ce qui s'est passé, comment les gens sont morts. Bon, c'est voilà, c'est très technique. Ça va durer 9 mois, on aura le temps d'en reparler plus longuement. Et puis, vous savez, c'est Angela Merkel, va bientôt partir. Donc, on a une belle photo des présidents. Donc, ça, c'est une photo de Chirac en 2006. Elle a quand même connu quatre présidents, hein, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. 16 ans, elle a peut-être 16 ans à la tête du pays, elle est en train de partir. Les élections vont bientôt avoir lieu, voilà, ça arrive. Ça amuse toujours ce couple franco-allemand en fait. Voilà. C'est un couple, on parlait des couples où les gens se foutent sur la gueule, c'est ça, on est un petit peu la personne battue dans le couple, quoi, la France. Il n'y a que nous qui pensons qu'on est un couple, eux ils pensent pas du tout qu'on est un couple, hein. Nous on est un vague partenaire économique. Voilà, en tout cas, voilà. Et puis il y a une phrase qui m'a amusé, j'ai lu que ça, cet article-là. C'est une phrase d'Angela Merkel que je trouve charmante. Je dois avouer que je ne comprenais pas qui était Nicolas Sarkozy jusqu'à ce que mon mari m'offre un coffret de DVD de Louis de Funès. Ensuite, j'ai su qui il était. Voilà. Alors, c'est hors contexte, hein. On voit tous de quoi elle parle. On va finir par le Figaro Économie. Le Figaro Économie avec, alors ça c'est extraordinaire, la SNCF invente les trains low cost à petite vitesse. Voilà. Et alors, nous ciblons ceux qui ont du temps. Et pas beaucoup de sous. Parce que, c'est vrai, quand t'as pas de fric, bon, t'as du temps. Vous savez, c'est Léon Loy, c'est le sang du pauvre. Le sang du pauvre, c'est l'argent. Donc, écoute, t'as pas de blé, bah, t'as le temps. Voilà. T'as ceux qui ont une pelle et ceux qui ont un flingue. Toi, t'as pas de flingue, tu creuses. Voilà. Notre objectif est de séduire 1,2 million de passagers en 2022. Il va falloir séduire le pauvre. Non, pas le pauvre, le mec qui a pas de sous. Ça, c'est particulièrement dégueulasse. Ça m'en dingue. Ça m'en dingue. Alors, dans cette offre baptisée Ouigo Classique, pour vitesse classique. Oui, on fait juste avancer le train moins vite, hein, c'est pareil. On met autant d'électricité dedans, on entend de machin. Alors, c'est des vieux corails rafraîchis et repeints en rose. Oui, un train de pauvre, c'est rose. C'est le Ouigo, quand vous rentrez dans un Ouigo, c'est comme un TGV normal, sauf qu'il est repeint en bleu et en rose. Et vous avez la poubelle qui fait un visage, qui est marqué « Je suis la poubelle, mettez-moi des trucs dans la bouche ». On se fout de la gueule du pauvre. Le pauvre, il a le temps, donc on a le temps de se foutre de sa gueule. On imagine que la poubelle, c'est un personnage. Voilà. Il nourrit la poubelle, voyez. Alors, donc ce sont des corails rafraîchis et repeints en rose. Ce train s'arrêtera dans une multitude de gares, de pauvres, oui, voilà, Melun, Dijon, Mâcon, ou à Nantes, Chartres, Le Mans ou Angers. À la différence du Ouigo TGV, où le tarif varie en fonction de la demande, le prix sera fixe. Un vieux truc. Plus près de 30 euros en période de pointe pour un trajet long, plus de 200 km, comme un Paris-Lyon. Plus près de 10 euros pour un trajet court. Oui, vous avez le temps. Vous allez prendre du temps. Vous mettrez 7 heures ou 4 heures pour faire un Paris-Lyon. Voilà. Avec cette offensive, Ouigo affiche une nouvelle ambition. Nous compterons transporter 25 millions de passagers contre 18 millions en 2019. Voilà. Donc c'est génial. Voilà. Oui, c'est un marché, c'est la transformation du pays. C'est ça ce qu'il faut. Il faut lui fabriquer des trucs pour les pauvres. Les riches dans les TGV qui vont vite, vous avez autre chose à foutre qu'être dans un train rose. Et les pauvres, ben vous êtes dans un train. Appelez le Ouigo, c'est génial. Hein. Alors il faut. Les mecs se prennent pour des. Alors oui, aussi un truc important, c'est qu'il y aura trois personnes à bord. Hein. Il y aura deux conducteurs et puis un mec. Je ne sais pas ce qu'il fera. Donc, tout sera filtré en avance. C'est pour ça que depuis sur les quais de gare, depuis 4-5 ans, on met des, comme dans les avions, on met des portiques pour éviter d'avoir à payer quelqu'un à l'intérieur du train. Donc, voilà, ça va coûter moins cher à fabriquer. Ils expliquent que, je ne sais plus où j'ai vu dans l'article, là, je ne l'ai pas noté. Donc, c'est un train low cost. L'idée, c'est que notre objectif est de gagner de l'argent, même avec des billets à 10 euros. C'est que vous même gagnez du fric sur le dos des pauvres. Hein. C'est plus un service public, on oublie ça. Voilà. Note Stéphane Rappebach, directeur général de Ouigo. Une affirmation qu'il est sceptique, un concurrent de Ouigo classique, Flixbus. On est curieux de voir comment la SNCF peut équilibrer ses opérations là-dessus. Comment ils vont faire? Et voilà, et avec Ouigo, voilà, c'est les bagages en plus. Le Wi-Fi, il faut le payer. Bon, hein, le choix de la place. Voilà, les mecs se prennent pour des avions. Et puis. Voilà. L'Europe nous protège quand même, il ne faut quand même pas oublier pourquoi on est en Europe.
L'Europe veut de vrais chargeurs universels. Et ça, c'est quand même un putain de gros dossier. C'est vrai que c'est pénible quand on n'a jamais, vous savez, le bon chargeur. Moi, j'ai un Android, toi, t'as un iPhone, moi, j'ai un truc. Bon, ça, c'est quand même un peu toujours les mêmes aujourd'hui. Maintenant, l'Europe va imposer attention. À horizon 2024, quand même, on a un peu le temps, tout le monde devra avoir la même connectique, qui sera sûrement en garde, hein, peut-être que l'USB-C, vous savez, le truc rond, là. Voilà. Et voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini la revue de presse. J'avais commencé à lire Le Monde. J'avais commencé à lire Le Monde. Ouais, et puis voilà. Ça c'est en écho à, vous savez, à ma photo du début. Tac, celle-là. Lui, il parle, il est dans son sous-marin. Et lui, il est mort de rire dans son. Il est mort de rire dans son téléphone. Ça, c'est quand. Comment il s'appelle? Biden et Macron, ils sont parlés là. Il était au téléphone. Cette photo fournie par la Maison Blanche montre le président américain lors de l'entretien téléphonique avec son homologue français depuis le bureau ovale. C'est la photo où il se marre le moins en fait. Ils ont fait plein de photos et l'autre, il est mort de rire. L'autre, il est. L'autre côté, tac, il lui dit, ah machin, salaud, tu nous as baisé la gueule et tout. Et l'autre, voilà. Attention par contre, nous apprend le monde. Joe Biden s'est engagé implicitement à ne pas arrêter la trahison dénoncée par la France. Bon, je t'ai trahi, c'est vrai, je t'ai bien niqué même, mais promis, j'arrête. Alors l'autre, il a dit, bon, ok, d'accord, ça va. On est copains comme cochons. C'est très compliqué hein, dans une situation comme ça. On a toute petite entreprise, on a une énorme entreprise, on a perdu un marché, on appelle le mec pour lui dire que c'est vraiment un enculé. Je sais pas comment ça peut marcher. Voilà, dans le monde, on apprend que l'Arctique est miné par les forages, voilà, qu'au niveau du climat, ça va pas être terrible, qu'il y a 120 banques qui financent l'expansion pétro-gazière dans le Grand Nord, voilà, qui profitent de règles insuffisantes, bien entendu, de droit, de juridique, voilà, tout simplement, pour protéger ces écosystèmes-là. Donc, on est en train d'être quand même 222 sites exploités, 39 sites en développement, 338 sites, 338 sites découvertes. Et il y a un excellent documentaire que je vous conseille qui s'appelle Terre à miner. C'est le seul film qu'a réalisé Steven Seagal sur l'exploitation du pétrole dans l'Arctique. Et vous verrez, voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à voir au niveau du, comme documentaire pour comprendre les enjeux climatiques et écologiques. Voilà, c'est fini pour moi. C'était un peu rapide à la fin, comme toujours. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Ici à Grenoble, il fait très beau. Je ne sais pas si vous voyez la fenêtre derrière moi. En fait, il fait bleu. Voilà, c'est un grand bleu. J'ai pas assez de définition sur ma caméra. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on va avoir beaucoup plus de régularité avec Alexis. Et puis, vraiment, non, sans déconner, il va avoir une connexion bien meilleure. Et le micro, c'est pour bientôt. Moi, j'ai une oreillette là comme ça, mais on va avoir un vrai micro, on va avoir le même micro. On a fait des benchmarks, on était sur des sites américains, de quel meilleur micro. On va faire un truc chouette. Pour nous soutenir, vous pouvez toujours vous abonner. Alors, j'ai pas la liste des gens qui s'abonnent en direct. Donc, s'il y a des gens qui sont abonnés, je vous remercie. S'il y a des gens qui ont souscrit, je vous remercie. Si vous ne l'avez pas fait, tant pis, c'est pas obligé. Voilà. Il y aura bientôt les offres d'Elasticache Libre. Je vous souhaite, sur ces jolis mots, un bon week-end. Prenez soin de vous et merci d'être là. Voilà, merci de votre d'être là. On est 4002. On a passé les 4000 followers aujourd'hui. C'est ce que me dit le Wisebot, qui est le petit robot qui nous dit ça comme ça. Je suis trop content, ça me fait plaisir. Voilà. Et le fameux duel, non, le fameux duel, j'ai pas fait. Voilà. Et vous allez voir, hein, dans la presse, tout le monde en parle. Vous pouvez le revoir, hein, il est téléchargeable. Allez le voir si vous voulez. Hein. Moi, je suis pas contre, mais j'avais pas envie de parler de ça et j'avais pas envie de parler de Covid aujourd'hui. Et voilà. Allez, bise, salut, ciao et bon week-end.